Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la faire enfin parce que c'est une vidéo que je vois chaque année. À chaque fois, je me dis ah, faudrait trop que je le fasse. Et même tout au long de l'année, il y a plein de gens qui font ce système de tier ranking comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo. C'est un système où en fait vous avez différentes catégories et vous classez les livres selon plusieurs choses. Moi j'ai décidé de vous faire voilà un classement de mes meilleures lectures de 2021. Enfin, de mes meilleures lectures. En gros, je vais classer tous les livres que j'ai lus en 2021 et au final on va voir un peu ce qui ressort du lot ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, ça change un petit peu de ma vidéo Awards. Dans la vidéo Awards, je vous parle vraiment que des lectures qui se sont démarquées. Je vais pas vous faire vraiment un avis lecture sur chaque bouquin. Si vous voulez voir mes chroniques, toutes les chroniques de tous ces livres sont sur ma chaîne, je suis à jour dans les points lecture. Donc s'il y a un livre qui vous intéresse particulièrement, je vous invite à aller voir le point lecture le concernant. Mais aujourd'hui, je vais rapidement vous dire pourquoi je le mets dans cette catégorie, et puis voilà. Alors déjà, je vais vous décrire les catégories et pourquoi elles s'appellent comme ça. C'est très difficile de choisir des noms de catégories, moi je pensais pas. Mais par contre, les couleurs elles sont pas bonnes, parce que là c'est le meilleur truc à la couleur rouge. Comment je peux changer ça moi? Alors la première catégorie, on va commencer du plus négatif au plus haut. La première catégorie c'est passer votre chemin. Dans le sens où je les ai lus, je les ai testés pour vous, ça vaut vraiment pas le coup changer de chemin quoi. Le deuxième, moins bon, c'est j'aurais préféré ne pas le lire. Dans le sens où, bah voilà, je l'ai lu, c'était pas si horrible que ça, mais si j'avais pu m'en passer, j'aurais survécu. La catégorie un peu, peut-être ben oui, peut-être ben non, comme diraient les Normands, c'est mi-fille, mi-raisin. Voilà, je trouvais ça fun, ça l'est pas du tout une fois que je vous l'ai expliqué. Et les deux catégories positives, c'est un bon moment, voilà, c'était un bon moment de lecture, j'ai bien aimé, je vous le recommande. Et la meilleure catégorie, forcément, c'est... pépites! Voilà, les petites pépites de cette année 2021. Ok, on va commencer tout de suite. Normalement, j'ai lu 50 livres en 2021. Sauf que j'ai téléchargé 50 images et il y en a une qui sautait à chaque fois. Il y en a une que j'oubliais de télécharger. J'ai recommencé 3 fois. Écoutez, il y aura 49 livres. Voilà, et celui qui passe à la trappe, et bah ce sera Mister. Ok, let's go! Alors, déjà, j'ai lu Shadow and Bone. Ok, je sais déjà pas quoi le mettre. Ah oui, parce que je suis super indécise. Ah non, pourquoi je fais ça en fait? Je pense Shadow and Bone en y repensant parce que j'ai lu il y a presque un an, je l'ai lu vraiment au tout début de l'année 2021. C'est absolument pas ma meilleure lecture. C'était un bon moment, mais je pense que je le mettrais plus dans mi-figue, mi-raisin. Voilà. Bon, vas-y, on va pas se poser 20 000 questions, d'accord? Ensuite, Lux, le tome 3. Ouh là là, quelle catastrophe ce livre. J'aurais préféré ne pas le lire parce que j'ai bien aimé le premier et le deuxième. Et le 3, un enfer. Ensuite j'ai relu le tome 1 de Mark and Maine que j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, mais j'ai moins aimé que la première fois que je l'ai lu. Alors est-ce que je mets un bon moment ou mi-figue mi-raisin? Je pense que je vais mettre mi-figue mi-raisin, pas parce que le bouquin est pas bon, mais parce que mi-figue mi-raisin c'est bon, c'est genre c'était bien mais il y avait des points négatifs, voilà. Ok, vous avez compris? Super. C'est juste que c'était un moins bon moment que la première fois que je l'ai lu. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, pour moi, c'est une pépite, c'était trop bien. Damage Like Us, c'est une petite romance MM entre une star et son garde du corps. J'ai passé un bon moment, mais... Non, je réfléchis. En vrai, j'ai bien aimé. C'est quand j'ai voulu m'attaquer à la suite que là, j'ai pas du tout aimé. Donc en vrai, lui, c'était un bon moment. Las Rosas, c'était un roman graphique. En vrai, mi-figue, mi-raisin. Genre, c'était bien, mais pas non plus incroyable. Radio Silence, j'ai passé un bon moment, mais ça m'a pas non plus embarqué de fou. Mais j'ai bien aimé les messages qu'il y avait derrière. Je sais pas. Je pense que je vais le mettre dans un bon moment. Him, de Serena Bowen et Elle Kennedy. J'ai vraiment bien aimé celui-là. Je vais le mettre dans un bon moment. En vrai, j'aime tout. Je suis vraiment pas compliquée niveau lecture. The Wicked King. Oh là là, une pépite. The Fire. Oula, alors ça, c'était une romance très bien. Mais c'était chargé émotionnellement et j'aurais voulu pleurer à la fin. Mais j'étais en live à ce moment-là, donc je sais pas si c'est moi qui me suis dit « Oh, pleure pas, t'es en live ». Même si en vrai, ça aurait fait des vues, quoi. Non, mais genre, ça aurait été divertissant. Mais non, j'ai pas pleuré. Donc je sais pas si c'est mon cerveau qui est bloqué ou si juste la fin m'a un peu... En fait, j'aurais aimé que ça finisse dans l'autre sens. Genre, mal. J'aurais voulu que ça finisse mal. Genre, tout le monde meurt. Du coup, je vais le mettre dans un bon moment. Parce que pour une fois, j'ai vraiment lu une romance avec un vrai bad boy. Mais pas dans le sens de bad boy, ou ouais, je suis un délinquant ou...
Mais vraiment dans le sens, je suis un mec qui me drogue et tout, genre c'était waouh. Lisez les trigger warnings avant de lire ce livre. Hein. This Winter d'Alice Oseman. Bon, écoutez, moi je vais le mettre dans mi figue, mi raisin. Alors je sais que Alice Oseman c'est une religion pour beaucoup. Moi pour le coup, les gars, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Heartstopper pour moi c'est pas incroyable. Radio Silence, je vous l'ai dit, j'ai passé un bon moment, mais c'était pas incroyable. This Winter, c'est une petite nouvelle écrite en police 29. C'était pas incroyable. Enfin, pour moi, c'est pas une autrice qui me chamboule et voilà. Ok, il y a des bons messages. Dans Heartstopper, j'aime bien sa manière de traiter la santé mentale. Mais je pense qu'il peut y avoir mieux. Je suis désolée, c'est un peu mon unpopular opinion. Mais non pas que j'adore suivre Alice Oseman sur les réseaux sociaux, je la trouve super fun. Et j'aime beaucoup son esthétique, sa manière de voir les choses. J'aime beaucoup cette femme, mais un peu moins ses livres. Voilà. Ensuite j'ai lu Us de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Lui je vais le mettre dans Mi Fig Mi Raisin, parce que j'ai eu une première lecture, j'ai vraiment cru que j'allais l'abandonner. Et puis la dernière moitié était vraiment très addictive, donc c'est totalement Mi Fig Mi Raisin. Aurora Rising, mais j'ai bien aimé ce bouquin. Je pense que je vais le mettre dans Un Bon Moment. Moi, parce que j'ai vraiment bien aimé. Pourquoi il est pas allé dans mes awards cette année, lui? Je sais pas, mais il aurait pu être dans les nominés pour le meilleur premier tome. Ce que j'ai bien aimé, en fait, juste ce qui me bloque, c'est que J. Christophe, c'est vraiment pas un auteur comme ça. Et du coup, j'aime pas trop parler d'un auteur problématique comme ça sur ma chaîne. Donc ouais. Tiens, en parlant d'auteur problématique, Court of Silver Flames. Je vais le mettre dans Un Bon Moment, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est sûrement mon tome moins aimé de toute la saga, mais j'ai passé un bon moment. A Court of Frost and Starlight, donc je l'ai relu. Lui pour moi c'est une pépite, c'est vraiment un de mes bouquins préférés. Je l'ai déjà relu deux ou trois fois et j'aime tellement ce livre. LDK, alors là j'ai pas du tout aimé ce livre. Je pense que je vais mettre Passer votre chemin. Je sais plus si c'était le combien, le 6 je crois, et waouh, j'avais adoré les 5 premiers quand je les avais lus. Je me suis dit tiens vas-y je vais continuer ma petite série de manga, hyper problématique, plein de choses m'ont dérangé. Ah ouais, ah juste d'en reparler ça me fout tout en pétard quoi. Oh, c'est super problématique, allez franchement, je veux dire allez les lire alors que je l'ai mis dans la catégorie passer votre chemin. Non franchement vraiment pas quoi. Bon celui-ci il a quand même eu l'award, le Brunel Award de la meilleure lecture de 2021, donc clairement on se pose pas de questions, c'est une pépite. C'est donc Les 7 maris d'Evelyn Hugo. The Prince and the Dressmaker, bah lui c'est une pépite pour moi, voilà. J'ai pas de catégorie roman graphique dans mes awards. Peut-être que si j'en lis beaucoup cette année, il y en aura une. Mais pour moi, c'était purement et incroyablement une pépite. Quand on parle, voilà, typiquement, un beau roman graphique avec un beau message sympa, des dessins jolis, des choses comme ça, bah pour moi, je recommande 10 fois plus de Prince and the Dressmaker que Heartstopper. Je suis désolée, mais c'est la vérité, il n'y a que la vérité qui vous laisse. Je suis désolée, je prends ce combat un peu trop à cœur. Non mais honnêtement, The Prince and the Dressmaker, c'est très sympa. Et en plus, je vous avais beaucoup fait rire dans mon update Instagram, je crois, parce que je vous disais que ça m'a trop rappelé mes époques où je jouais au top model. Genre, c'était pas moi le top model, loin de là. C'était, je sais pas si vous avez eu ces cahiers où tu joues à la styliste. Et vraiment, quand j'étais jeune, genre, je voulais tellement être styliste. Et j'ai eu tous les cahiers top model possibles et inimaginables. J'ai créé clairement des collections été-hiver, printemps-été, pour été-hiver, automne-hiver, printemps-été, pour clairement 20 ans de carrière. Donc si, je sais pas, Kenzo, Paco Rabanne, tout ça, vous souhaitez sortir une collection posthume sur mes créations, il n'y a pas de problème. Mais bref, et du coup dans The Prince and the Dressmaker, donc c'est le prince et la couturière. La couturière du coup elle crée des robes et ça m'a tellement fait penser au design de Top Model, vraiment c'était trop cool. Ah j'ai adoré. La tresse, mi chic mi raisin, ou j'aurais préféré ne pas le lire? Bah je pense que j'aurais préféré pas le lire parce que bah c'est plus dans le sens je l'ai lu, ça m'a rien apporté, j'ai passé un bon moment, bah rien d'incroyable. Ouais je vais le mettre dans j'aurais préféré pas le lire, genre mais dans le sens j'aurais préféré occuper mon temps à lire un autre bouquin que celui-là. Blue Flag j'ai bien aimé, bah tiens on va tout de suite mettre les 1 et les 2, je vais mettre Un Bon Moment. Voilà, attendez il y a où l'autre? Ok, ensuite on a Fence. Alors là, attention les petits gars, parce que là, nouvelle unpopular opinion, on s'est disputé avec Nina Quinn par message. Non, je rigole. On s'est pas disputé, mais on n'a pas du tout le même avis là-dessus. Sur Fence. Fence, c'est un des petits romans graphiques, mais quand je vous dis petit, clairement le fascicule fait ça. Moi, je les ai tous lus sur l'appli où j'écoute mes livres audio. Comment ça s'appelle? Mes livres audio. Très drôle. Scribe. Sur Scribe, je les ai lus en format numérique. Et du coup, je me suis dit, c'est parce que je lis sur Scribe. En fait, sur Scribe, je me suis dit, ah, je lis par chapitre, c'est pour ça qu'il se passe rien et que c'est plat et que l'histoire n'avance pas. Non, finalement, non. J'ai vraiment lu les 4 premiers tomes.
Je sais pas combien il y en aura, mais je pense que j'irai la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, vu que dans les 4 premiers, il ne se passe rien, mais que tu aimes quand même le personnage et que t'as envie qu'il se passe un truc. Donc c'est vraiment une grosse blague ce bouquin. En gros, t'as une intrigue principale entre deux garçons qui sont concurrents à l'escrime. Personne, clairement, personne qui sont concurrents à l'escrime. Et très clairement, t'as juste envie qu'ils se mettent ensemble. Voilà, parce qu'ils sont trop mignons, c'est un enemies to lovers et tout. Mais là, c'est un enemies to rien du tout en fait. Ils se sont pas tenus la main. Il s'est rien passé. Je crois que dans les 4 fascicules, le truc le plus proche qui se passe, et je vous parle tous les couples confondus, on suit 4 ou 5 couples différents, c'est peut-être un bisou sur la joue ou un petit câlin, un truc comme ça. Mais vraiment, il se passe rien. Ouais, franchement, il ouvre le smut quoi. Non, mais genre, je veux pas non plus du smut, mais je veux au moins que l'intrigue elle se développe parce que tu suis des combats, mais rien en fait. J'ai l'impression qu'aucun des deux côtés n'est vraiment développé et que juste bah, t'as des dessins pour avoir des dessins, mais que rien ne va au bout des choses. Du coup, je suis très déçue moi de ce truc là, mais en même temps, je suis un peu accro. Du coup, je vais mettre mi figue, mi raisin. Je sais pas, je pense que je vais mettre mi figue, mi raisin pour le premier et pour les 3 autres, je vais mettre. J'aurais préféré ne pas le lire, c'est faux parce qu'en vrai j'aime bien quand même le lire. Mais j'aurais préféré que ce soit fait autrement. On va dire ça comme ça. Ensuite on a Sea of Strangers par Lang Live, un recueil de poésie que j'ai beaucoup aimé. Love and Other Words de Christina Loren. Un bon moment aussi, voilà. Nathan, j'ai vraiment bien aimé ce personnage. Birthday, clairement une pépite. J'ai adoré ce bouquin. Serpent and Dove, une pépite aussi. C'était trop bien. Oh là là, j'ai trop envie de lire la suite. Un autre... En fait, j'ai vu pas mal de petits BD quand je regarde comme ça. Une autre BD, c'est Il faut flinguer Ramirez. Il y a le 1 et le 2. J'adore ces bouquins. J'adore ces bouquins. Clairement, très clairement, complètement. Et je vais mettre les deux dans un bon moment. Honnêtement, je pense que je vais mettre le 1 dans Pépite parce que c'est vraiment tellement bien fait. Et le 2 était très sympa aussi, mais je vais le mettre juste dans un bon moment. C'est incroyable. Tout l'univers créé autour de cette BD est génial. Je vous la recommande de fou si vous voulez vous acheter une petite BD comme ça. Mince, je crois que j'ai carrément bougé les coins depuis tout à l'heure. J'espère que ça n'a pas posé de problème pour vous. Punk 57. Putain. Bah, lui, c'était un bon moment. Voilà, un petit bon moment de lecture, The Understatement of the Year. C'est le tome 3 de Ivy Years. Alors lui, je vais le mettre dans Pépite, puisque c'était la première romance MM que j'ai lue et que j'ai adoré, j'ai tellement aimé. Et j'étais trop contente de lire autre chose que des romances hétéro. Donc, Royally Yours, oulala, passez votre chemin les gars, hein, c'était archi pourri. Voilà, on ne va pas se mentir, c'était claqué au sol. La fille qui vraiment démonte le bouquin, quoi. Le chant d'Achille, Pépite. C'est vraiment un très très bon livre. Et tous les gens qui disent le contraire, hein, désabonnez-vous. Non, je rigole. La meuf qui n'accepte aucune critique négative alors que 2 secondes avant, elle a traité un livre d'être claqué au sol. La carte des confins, c'était un bon moment de la culture. Hein. In 5 years, oulala, je vais même mettre passer votre chemin, tiens. Non, c'est trop méchant. Je pourrais préférer ne pas le lire, ou du moins j'aurais préféré le lire en sachant ce qui allait se passer dedans. Alors c'est très étrange à dire, mais c'est absolument pas ce à quoi je m'attendais. Et ce petit plot twist dans l'histoire, en fait, la direction de prendre le roman qui est totalement opposée à ce que je pensais, soit les gens adorent, mais vraiment adorent, en plus ce livre est sorti en français récemment, soit les gens détestent comme moi. Donc voilà, à vous de savoir dans quel team vous êtes. La team Leonite ou la team Agathite. This violent delight. Oh là là, quel... Pépite, mon petit chou d'amour. Sa Majesté, là. Enfin, le American Royals 2. Passez votre chemin. Ça, Félix Everaster, bah écoutez, moi je vais le mettre dans Mythique Mes Raisins. Parce que je sais que c'est. Notamment, je crois que c'est un des livres préférés d'Elisa. Il est bien, mais pas non plus incroyable. Enfin, du moins pour moi. Alors que ça parle beaucoup d'art et que j'adore les romans qui parlent d'art. Mais là, pour le coup, pas non plus oufissime, quoi. Swimming Lessons de Lily Reinhardt. C'est clairement une pépitoche. Oh là là, quel super recueil de poésie. From Blood and Ash, je vais mettre dans un bon moment. Voilà, c'était pas une pépite à mes yeux, mais c'était une très belle lecture. Du coup, je vous disais, Campus Driver, le 1, je l'ai mis dans Pépite. Le 2, alors lequel est le 2? Le 2, c'est le bleu. Je vais le mettre aussi dans Pépite, parce que c'était mon préféré. Il est trop trop bien. Et le 3, je vais le mettre dans un bon moment, parce que j'ai passé un bon moment, mais... pas à la hauteur des 2 premiers. Stairway to Heaven, bah écoutez, c'était une romance. Déjà, je m'en rappelle plus. Non, je m'en rappelle un peu. Je m'en rappelle un peu, mais c'était pas incroyable. Du coup, je pense que je vais le mettre dans Mi Figue, Mi Raisin.
C'était cool, mais tranquille, quoi. Mais qui je suis pour juger les livres comme ça, les gars? Vous avez le droit de me le dire dans les commentaires, hein. Mais qui tu es, Agathe? Plein gris. Oh, ça, c'était sympa. Ça, c'était, ça changeait, c'était cool. C'était rapide, l'écriture était super belle. Plein gris, un bon moment. Meurtre et pépite de chocolat. Je vais le mettre dans un bon moment aussi. Parce qu'en plus, je l'ai lu quand j'avais une petite semaine de vacances chez mes grands-parents dans le sud. C'était très, très sympa. Très jovial. C'est pas du tout le mot adapté à la lecture, genre il y a un meurtre. Mais c'était jovial. L'as de cœur, oh là là. Et ouais, passez votre chemin. C'était très décevant. J'étais très déçue. Ah, ça me saoule de finir sur une note comme ça. Meurtre et pépite de chocolat, c'était vraiment bien. Non, mais écoutez, moi j'adore parce que le tableau, quand tu le regardes comme ça, ça fait. Il y a quand même deux rangs pour des pépites, deux rangs pour des bons moments. C'est là que tu vois que mes lectures étaient quand même très adaptées à ce que j'aime. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'année 2021. C'est que j'ai vraiment suivi mes envies sur le moment. Et voilà. Et l'année 2022 profile encore plus de choses. On est actuellement le 25 janvier et j'ai toujours pas fini un livre. Parce que je suis vraiment dans cette idée de prendre le temps pour lire les livres que j'ai envie de lire et de pas me précipiter. Voilà. Et j'adore ma lecture actuelle et je pense que je la savoure autant parce qu'à chaque fois que j'y vais dedans, c'est que c'est vraiment un moment que j'ai attendu toute la journée en mode « Ah, aujourd'hui, je vais enfin pouvoir le relire un peu. » Bref, tout ça pour dire que je suis très heureuse de ce petit classement et que, ouais, franchement, si tu regardes les lectures un peu négatives, entre guillemets, il y en a que 7. Il y en a que 9, pardon, et 9 sur 40 sur 50 bouquins. Bah, ça va de fou, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quel livre vous avez lu. Est-ce que vous avez déjà fait des tiers rangs comme ça? C'est super facile à faire. Le site, il s'appelle tiersmaker.com. Et vous pouvez créer vous-même et importer les images et tout. C'est grave cool. Et même, en fait, tu peux aller dans les catégories et faire des tiers rangs de d'autres personnes. Par exemple, si vous voulez faire le mien, vous pouvez très bien. Je l'ai appelé... Best Read of 2021. Mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Mais bref, vous pouvez reprendre les templates des autres. Et je trouve ça assez top. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo un peu très... je suis une American Booktuber. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Un très bon dimanche. J'espère que bien goûté. Je dis ça à ceux qui regardent la vidéo le jour même. Mais peut-être que vous, non. Alors je vous souhaite une très belle autre journée de la semaine. Et j'ai hâte de pouvoir communiquer avec vous dans les commentaires. Bon, j'arrête parce que je suis gênante. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.